Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. Aujourd'hui, on va parler de la Galaxy Gear S3. Elle est comparable donc à la Galaxy Watch et on a une montre complètement accessible via donc la grosse couronne. Romain D. Galaxy Store. Samsung Health. Contact. Message. Et comme vous pouvez entendre, cette montre est entièrement vocalisée. Grâce à cette montre, on va pouvoir prendre nos pulsations cardiaques et vérifier si notre cœur fonctionne correctement. Vous allez voir que l'accessibilité de ce procédé est vraiment énorme. Alors merci de vous abonner à la chaîne Vision High Tech si cela n'est pas encore fait. Et on va tout de suite passer à cette démo de la Galaxy Gear S3 Frontier et aux pulsations cardiaques. C'est parti! Récente. Téléphone. Appuyez deux fois pour ouvrir l'application. Message. Alors déjà, cette montre est nativement accessible. On a donc le S-Voice qui est directement intégré à l'intérieur. Une fois que l'on tourne la grosse couronne, en fait, qui fait le tour du cadran complet, on va arriver par exemple sur Appli récente. Appli récente. Ici, si je Appuyez l'ouvre, deux fois pour ouvrir l'application. Application récente. on peut savoir les différentes applications que j'avais ouvertes auparavant. Paramètres page 1 sur 3. Fermer bouton. Tout fermer bouton. Appuyez deux fois pour activer. Et on peut d'un seul coup tout fermer si on le désire. Une fois tout fermé, on revient sur l'écran d'accueil principal. On continue notre navigation. Appli récente. Appuyez deux fois pour ouvrir l'application. Mes téléphone. Message. Contact. Samsung Health. On a donc Appuyez deux fois pour ouvrir l'application. Samsung Health. Donc ici, c'est pour les données de santé. Samsung Health. Activité 38 kilocalories. Entraînement 0 minutes. Déplacement horaire 3 heures. 1053 pas. Objectif 6000. 0 étage. Objectif 10. Appuyez deux fois pour activer. 1130 kcal, 38 cal sur activité. Les exercices ne sont pas disponibles lorsque Voice Assistant est activé. Sommeil, aucun en règle, sommeil au jour. 79 BPM, main. Appuyez deux fois pour activer. Voilà, donc c'est donc ici que l'on va pouvoir vérifier les battements de notre cœur. C'est super accessible, on va pouvoir vérifier si tout marche bien et tout ceci en toute accessibilité. On tapote deux fois. Cardio. Mesurer bouton. Et on a le bouton mesurer. Paramètres de fréquence cardiaque automatique bouton. Option supplémentaire bouton. Paramètres de fréquence cardiaque automatique bouton. On peut mettre donc les paramètres Appuyez de deux fois pour fréquence activer. cardiaque en automatique. Mesurer bouton. Et on peut mesurer, c'est parti. Appuyez deux fois pour activer. Mesure. Mesure en cours 40 pours. Mesure en cours 80 pours. 73 pulsations par minute. Tag bouton. 73 pulsations par minute. Fréquence dans la plage moyenne au repos comprise entre 61 et 77 battements par minute. Et voilà donc avec notre Galaxy Gear S3 comment vérifier nos battements de cœur. C'est vraiment très sympathique et je voulais vous faire profiter de cette vidéo pour son accessibilité puisque grâce à cette montre, on est capable d'avoir le rythme cardiaque en temps réel. La montre est entièrement vocalisée, elle peut faire énormément de choses. On peut même demander à S-Voice, qui est donc l'assistant vocal propre à la montre, de nous donner l'heure, d'envoyer un message, d'appeler quelqu'un. C'est vraiment super sympa. Par exemple, si on réveille la montre avec le mot-clé Salut Gear, quelle heure est-il? S-Voice. L'heure locale est 17h34. Salut Gear, envoie un message belette. Quel est le message que vous voulez envoyer à Belette?
Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous faisons un test sur la chaîne YouTube Vision Hightech. Tout fonctionne correctement et franchement, c'est le top. On a toute l'accessibilité de la montre avec Voice Assistant et ça, c'est vraiment génial. Êtes-vous prêt à envoyer le message? Lis le message. Voici votre message. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous faisons un test sur la chaîne YouTube Vision Hightech. Il fonctionne correctement et franchement, c'est le top. On a toute l'accessibilité de la montre avec Voice Assistant et ça, c'est vraiment génial. Voulez-vous envoyer? Oui. Message envoyé. Le top du top. Maintenant, on peut par exemple... Alerte envoi. Le message a été renvoyé. En gros, vous avez exactement tout ce qui se passe sur l'écran de la montre et c'est vraiment très sympathique. Salut Guilla, quelle est la météo demain à Paris? Mardi, la température maximale sera de 24 et le ciel relativement dégagé. Voilà donc, en fait, on ne touche pas du tout l'écran de la montre, ni la couronne. On donne simplement le mot-clé Salut Gear. Quelle heure est-il? Et ce voice. L'heure locale est 17h37. Voilà donc, comme vous avez pu voir et entendre, c'est très réactif avec cette montre. On a vraiment une très grande accessibilité. Altimètre barreau, page 5 sur 12. Altimètre baromètre. Altimètre barreau. Altitude 273 mètres. Pression barométrique 989 hectopascal. Là voilà, on a simplement Appuyez tourné. deux fois pour ouvrir le baromètre dans l'application Altimètre barométrique. Voilà, donc là on a directement tournant notre couronne, toutes ces informations. Pas page 10 sur 12. 1053 pas, objectif 6000 pas. Voilà, donc là c'est là. Appuyez deux fois pour ouvrir l'application. Voilà, donc c'est ici que l'on rencontre sur cet écran la montre en mode podomètre. Ajout widget, page 12 sur 12. Voilà donc, et on peut améliorer la montre en rajoutant des widgets. Le but était de vous montrer l'accessibilité du mode cardio sur la Galaxy S3 Frontier. Mesure. Mesure en cours 40 pours. Mesure en cours 80 pours.79 pulsations par minute. Tag bouton. 79 pulsations par minute, fréquence supérieure à la plage moyenne au repos comprise entre 61 et 77 battements par minute. Voilà, donc le but était de vous montrer cette accessibilité de cette montre. Elle est vraiment pas mal du tout. Il y a vraiment beaucoup de choses, à part quelques petits problèmes d'accessibilité. La montre est vraiment entièrement accessible. Merci d'avoir pris un peu de temps sur cette vidéo, d'avoir pris un peu de temps sur Vision Hightech. J'espère que cette montre vous aura plu, que la vidéo vous aura plu. Et on se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo sur Vision Hightech. Salut à tous!